Aquaman a été implanté dans la partie sud du delta de la Tsiribine, au nord de Morondave, sur des étendues de tan dénuées de toute végétation. L'avantage de ce site, c'est de grandes surfaces avec des couches d'argile importantes, la proximité de l'estuaire et des apports en eau douce réguliers pendant la saison des pluies. Pour la ferme, donc le nord de Morondave, le sud du delta de la Tsiribine, et pour les closeries, on est parti beaucoup plus au sud, du côté de Belle-Eau-sur-Mer, pour retrouver des qualités océaniques parfaites, à savoir pas de dessalure en saison des pluies, et la possibilité de pomper sur des récifs coralliens pour avoir une eau parfaitement pure. La crevette est un crustacé dont la vie se divise en deux phases. Une phase océanique qui va comprendre la maturation, la reproduction et les phases larvaires. Et une phase de grossissement qui va se dérouler plutôt en zone côtière, de préférence dans les zones de mangrove ou à proximité des zones de mangrove. C'est pourquoi on va construire les écloseries plutôt dans des zones directement sous l'influence de l'océan, alors qu'on va construire les fermes dans des zones côtières, plutôt sous l'influence des estuaires et dans les confrontations entre les eaux marines et les eaux continentales. Je travaille en étroite collaboration avec les VES et je collecte ces géniteurs pour servir donc à la reproduction. Parfois, ils sont cherchés sur le littoral et parfois, ils sont collectés dans les mangroves. Ceci dépend de la saison. Je sélectionne ces géniteurs selon sa taille et sa longueur. Et les femelles, normalement, je les prends seulement à partir de 20 cm. Ces crevettes ont été pêchées hier, immédiatement passées en bassin de désinfection dans une eau légèrement formalisée. Ta gaz elle est des anneaux de différentes couleurs pour sa traçabilité. Inspection méticuleuse pour toute défaut morphologique et signes de maladie. Pesage avant mise en bassin. L'écloserie d'Ambarade est divisée en trois unités. Il y a l'unité maturation, les vases larvaires et nurserie. L'eau de mer est pompée sur les récifs coralliens, filtrée par le filtre à sable, le filtre arcal, le filtre cartridge et finalement traitée par le rayon ultraviolet. Les unitaires sont nourris avec de la chair de crabe et des coquillages ramenés par des pêcheurs VES. Suivant la demande de la ferme, nous démarrons le cycle de production par la sélection des géniteurs transférés ici dans le bac de maturation. L'accouplement se fait après la mue. Il y a une sélection des femelles prêtes à pondre. Transfert individuel en bac de ponte durant la nuit. Récupération des œufs et mise en incubation pour 6 à 8 heures. Après l'éclosion, collecte des nouplies. Transfert au bassin larvaire durant 13 jours pour passer les stades de métamorphose zoïe, maïsis et post-larve. Au stade post-larve, transfert dans le bassin nurserie durant 10 à 17 jours avant l'expédition. Les stades larvaires et post-larve sont alimentés avec des artémias, des microparticules et notre propre production d'algues. Il n'y a pas d'utilisation d'antibiotiques ni de pesticides. Nous avons la traçabilité totale depuis l'arrivée des géniteurs. Grâce à la date de capture, la zone et toutes les informations concernant le stockage en pré-génitaire, la maturation, la ponte, l'éclosion, l'élevage larvaire, l'élevage nurserie et jusqu'à l'expédition. 30 jours après l'éclosion, nous transférons les post-larves vers la ferme de grossissement. Tout démarre par la pêche, le comptage, contrôle visuel et mise en cubiténaire avec l'ajout d'oxygène.
Là, je viens de recevoir une livraison de PL. Il va être acheminé par le camion vers le bassin et tout de suite l'acclimatation et le contrôle qualité de ce PL. Et puis après, la mise au bassin de pré-grossissement où il va être élevé pendant 30 ou 45 jours. On doit acclimater les animaux pour pouvoir supporter les paramètres physico-chimiques et la qualité d'eau dans le PG, là où on va ensemencer. On va les transférer dans le gros bassin, là où il va être élevé pendant 4 ou 5 mois pour arriver à la taille commerciale. Mon rôle, c'est de superviser toutes les activités relatives au grossissement de la crevette à partir du moment où le service TREP, ensemencement transfert, nous le livre, de façon à répondre au planning de production de la direction. C'est à partir des résultats des paramètres physico-chimiques donc l'on va ajuster la ration quotidienne des crevettes. L'analyse des paramètres physico-chimiques, donc il y a l'oxygène dissous, la température, la turbidité de l'eau et il y a la salinité. Il s'agit d'un aliment composé à base de farine de poisson et de farine végétale sans OGM. Nous pratiquons un élevage en milieu naturel de type semi-intensif avec des densités de 10 à 12 crevettes par mètre carré. Il n'y a aucune utilisation d'antibiotiques, ni de bactéricides, ni d'insecticides. La pêche se déroule de la marée basse jusqu'à la moitié de la marée haute. La pêche est faite par gravitation. On ouvre la grille de protection du bassin et on ouvre les bâtards d'eau. Les crevettes vont sortir du moine et vont être récoltés dans un filet. On les met dans la glace, ce qui permet de les tuer sans les stresser. Il y aura le suivi de contrôle qualité, la prise de température du bac, le pégeage et le glaçage. Envoyé en moins de 15 minutes pour conditionnement à l'usine. On se sent de pêche, notre usine de conditionnement qui se trouve sur le site même de la ferme fonctionne sans interruption avec un effectif total de 200 personnes. En accord avec les réglementations et directives européennes, le contrôle qualité applique le plan CCP. Le contrôle se fait à l'usine, à toutes les étapes de la production, depuis la réception jusqu'à l'expédition, à savoir le contrôle de l'usine, des locaux, du matériel, du personnel, mais aussi bien la vérification des paramètres organoleptiques, métrologiques, température, calibre, et enfin des contrôles microbiologiques et chimiques. Tank réception pour un premier lavage, rinçage, triage des défectuosités, pesée, précalibrage, calibrage automatique par un système à rouleau, affinage du calibre. Conditionnement avec mise en barquette ou mise en moule. Congélation en armoire à plaques. Congélation en saumure à moins 18 degrés durant 15 minutes. Rinçage à l'eau réfrigérée. Écoutage ventilé à moins 24 degrés. Nous sommes ici dans le laboratoire de ton contrôle.
qui comprend un département pour les analyses chimiques, un département pour les analyses microbiologiques, de Portifini, et tous ceux qui sont en contact avec les crevettes. Après la pêche, les bassins vont passer une période d'assèchement. Comme ça, les matières organiques sur le sol vont se minéraliser pour qu'il n'y ait pas de rejet de matières organiques vers le mangrove. La Comène est une ferme qui existe depuis 1996, qui se développe en parfaite harmonie avec le milieu. On ne note aucun effet négatif. Même, on peut noter un développement de la mangrove dans certaines zones où il n'y en avait pas auparavant. Donc on peut dire que la démarche de la Comène s'inscrit parfaitement dans une idée de développement durable. Donc dans la région de Morondave, il y a une chose primordiale à respecter, c'est les coutumes et les traditions. Une fois qu'on a défini ou identifié le site, avant de commencer à se rendre sur le site, il faut demander l'autorisation aux autorités traditionnelles. Une fois que le site est défini, il y a un certain nombre de cérémonies à faire avec eux, donc qui consistent à ce qu'ils appellent un cabar, à réunir tous les gens qui ont autorité sur la zone et à leur demander l'autorisation d'installer un projet sur ce site-là en leur expliquant ce que ça va leur apporter, mais surtout qu'on ne va toucher ni à leurs arbres sacrés, ni à leurs rivières sacrées, ni au passage de leurs zébus, de façon à ce qu'ils puissent continuer à vivre en parfaite harmonie avec l'entreprise. Il y a eu, dès le départ, des mesures d'accompagnement qui visaient à améliorer la situation des populations environnantes des sites, que ce soit sur la ferme ou sur les closeries. Donc on a, dès le départ, initié des programmes d'aide aux villages environnants, à savoir la construction d'écoles, la réouverture de dispensaires et la fourniture d'eau potable à toutes les populations qui vivent autour de nos sites. La première chose qu'on a fait dès qu'on est arrivé ici, ça a été de rechercher des endroits où on puisse capter de l'eau de bonne qualité pour alimenter d'une part notre personnel, et par la suite il s'est avéré qu'on a alimenté en fait toutes les populations et tous les villages vez qui se situent sur l'estuaire, ce qui a permis de réduire considérablement tous les problèmes de maladies liés à la consommation d'eau de mauvaise qualité. On a toujours veillé à ce que ce soit plus une collaboration avec les gens et les villages plutôt qu'un assistanat à 100%, dans la mesure où dès qu'on réalise un projet avec eux, on leur demande de participer dans la mesure où ils le peuvent avec la fourniture de certains matériaux ou de la main d'œuvre à la construction de l'école, de façon à ce qu'ils aient quand même une certaine valeur de ce que ça va coûter. Alors on veille aussi à ce que les enseignants qui sont sur ces écoles-là soient rémunérés. Et éventuellement, bon, on prend le relais le temps que se mette en place avec l'administration la rémunération des enseignants. On essaye toujours d'avoir avec eux un échange qui leur permette de ne pas être assistés, mais partenaires du développement du projet de la ferme. À Comène-l'Ouest, a une équipe de deux médecins, Jean-Gaston l'infirmier et Fischer notre aide-soignant. Nous travaillons dans deux dispensaires, un pour les closeries du site d'Ambararat et un pour la ferme et l'usine de Tsangatsoul. Nos employés possèdent tous une couverture médicale. En plus de soigner les employés, nous nous occupons gratuitement des populations qui vivent autour des sites. Les médicaments sont gratuits et nous faisons un grand travail de sensibilisation par l'information, éducation et communication. Après 8 ans d'activité, je constate un impact extrêmement positif de la santé de la population environnante. Construite et fondée par la communauté, financée par la société. Là où nous réunions en même temps, dans un même lieu, les différentes religions, protestants, FGKM, le luthérien, le catholique et les pentecôtistes. C'est la seule église à Madagascar qui fait ça. Parmi nos activités, il ne faut pas oublier notre chorale nommée Anzumaran Filungu, dont nous sommes tous très fiers. Les employés d'Akomen ont une très grande activité sportive, le basket, le volley, la pétanque et surtout le football. Nous autofinançons par le recyclage et la vente des ferrailles qui est donnée et mise à la disposition par la société. Notre objectif est de jouer la transparence dans la traçabilité. Ceci va se faire en deux temps.
Dans un premier temps, il est possible pour tout intervenant, c'est-à-dire le producteur, le distributeur, le client, d'avoir accès à l'intégralité des contrôles effectués sur le produit à chaque moment de la chaîne. Dans un deuxième temps, il sera réalisable au simple consommateur d'avoir accès à un site internet pour connaître l'histoire complète de son produit. Acomenef est en mesure de garantir la traçabilité depuis les crevettes géniteurs de l'éclosurie jusqu'à l'expédition des conteneurs pour l'Europe. Il faut compter 56 heures de temps pour amener des conteneurs à Magellan.